Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon de la focalisation. Alors, qu'est-ce que la focalisation? La focalisation, c'est le point de vue, c'est l'angle de vue par lequel le narrateur nous raconte l'histoire. On distingue entre trois types de focalisation: externe, interne et zéro. C'est quoi la focalisation zéro? Le narrateur ici, il sait plus que le personnage. En fait, il sait tout, il voit tout. Il est omniscient et omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Petit exemple, si je vous dis, pendant que les élèves étaient en classe, leurs parents préparaient la sortie tout en pensant au déroulement de la sortie. Si vous faites attention dans cette phrase, le narrateur ici à la fois où sont les élèves, où sont les parents et même à quoi pensent les parents. Le narrateur sait ce qui se passe avant, après et même les états d'âme, l'aspect psychologique de ces personnages. Pour la focalisation interne, le narrateur égale le personnage. Ici, le narrateur, il est lui-même le personnage et vous allez trouver l'utilisation du pronom personnel je, la première personne. Nous avons ici l'impression que c'est le personnage qui nous guide à travers l'histoire. On utilise beaucoup de verbes de perception, écouter, voir, etc. Pour la focalisation externe, le personnage, c'est plus que le narrateur. Le narrateur est en train de décrire les choses de l'extérieur, comme une caméra qui décrit les choses de l'extérieur. Il ne sait pas ce qui se passe dans l'esprit de ces personnages. Il ne connaît pas leur passé, mais il les décrit de l'extérieur. J'espère que cette leçon va vous être utile. Je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt.